Yo les gars, yo tout le monde, c'est comme écouté aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Fortnite. On va faire un cache-cache avec les abonnés, c'est très simple. Bah, ils se cachent et moi je dois les trouver. Et peut-être deuxième game, il y aura quelqu'un d'autre qui devra nous chercher. Donc je vous montrerai un peu les cachettes qu'il y aura. Bref, on les rejoint parce qu'ils m'invitent et let's go. Vas-y, on lance. Bon les gars, je vous coupe dans la vidéo, c'est juste pour vous dire qu'il y a pratiquement 60% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi je voulais vous dire que dans cette vidéo les gars, je suis désolé, la N-cam elle a pas marché. Et du coup bah on voit juste la manette mais sans les mains. Bon j'espère que ça vous dérange pas, désolé pour ça. Et on continue avec les vidéos, let's go. Ok les gars, donc là on est parti pour les chercher. Donc on va attendre 2 minutes le temps qu'ils se cachent. Bon les gars, d'ailleurs pour ce cache-cache j'ai un harpon et un petit bourlingueur. Bon malheureusement il y en a deux qui ont pas réussi à sco, mais on a quand même lancé donc c'est pas grave, ils rejoigneront à la partie prochaine. J'arrive, let's go. Donc les gars, la map je la connais quand même bien. Oh bah XDZ. Je suis trop nul. Je suis gaze. Bon allez XDZ, recache-toi. Regâche-toi, c'est bon. Regâche-toi. Va te cacher. Ok, bon. On va maintenant commencer sérieusement le cache-cache. Donc, je connais quand même très bien la map. Ok, personne ici. On va commencer par la petite maison. Celle-ci, mon gars. Il y a des bonnes petites cachettes. Ah. Oui, c'est bon. Après, je connais plus du tout c'est quel tableau où on peut rentrer dedans ou autre. C'est bon. Alors. Y'a quoi? Y'a personne. Y'a personne! Mais si, y'a personne! Attends, pour l'instant, je pensais que c'est qu'ils allaient tous là, mais non. Ok, bon, bah. Personne qui était là. Bon, on va partir dans la grande maison principale. On va aller voir s'il y a des gens. Bon, du coup, on va au sous-sol, let's go. Alors, ici, je sais qu'il y a une cachette. Non, y'a personne. Là, je crois qu'on peut rentrer dedans. Je suis plus sûre, mais je crois. Et comment ça, il n'y a personne? What? Bon, allez. Du coup, on va aller juste ici. Attends, oula. Alors, lui. Bien joué, Tano. Dommage. Il y en avait un et la dernière fois il était caché juste sur les barres et je l'avais pratiquement pas vu. Enfin genre j'étais passé tranquille et après je l'avais vu. Ok, là il y a personne. Là il y a personne. Bon. Ils sont quand même bien cachés j'ai l'impression. On va regarder là, je pense qu'on peut. Ouais voilà, non. Ah, c'est sûr on peut y aller. Ah bah. Bien joué. Ok. Personne. Je sais pas, je crois pas on peut entrer. Ok, donc là les gars, d'ailleurs j'ai 9 minutes encore donc ça va. Hein. Je pense qu'il y aurait genre 3 à trouver. Ah, mais tu es bloqué. Ah non, c'est bon. Donc on va bien voir où est-ce qu'il se cache. Oh, elle était pas mal cette cachette. T'es bloqué, mais t'étais pas mal. Ok, c'est bon. Bon, alors on va continuer juste ici. Arrête de céder. Allez, il reste qui? Il reste Zane. Donc c'est le vainqueur de la première manche. Donc on va déjà aller tester de le trouver. Parce que sinon, où est-ce qu'il est? Non. Oh, bien joué. Oh, let's go, bien joué. Bah, GG à vous les gars. Maintenant, ça va être au deuxième chercheur. Donc Noah, il va chercher. Et moi, je vais me cacher. Let's go, prochaine manche. Ok, let's go. Donc là, les gars, on va se cacher. C'est parti. J'hésite à me cacher dans la cachette que j'avais vue là en bas, mais je sais pas. Il y en a qui sont où? Je crois qu'il y en a qui sont où. Bon, alors, une petite cachette. Putain, il reste 50 secondes déjà. Oula. Oh, je sais. On va tester de monter sur l'arbre. Sur quel arbre? On va tester de monter là. Je pense. Ah, il teste aussi. Ah, oh, GG Zane. Putain, bien joué. On va tester d'aller sur l'autre arbre. Ou même dans l'arbre. Soit on va là. Les gars, est-ce qu'on se met là? Ou est-ce qu'on est... venez, on est joueurs, on se met là.
Ah merde, je voulais faire un truc. Je voulais passer de l'autre côté, mais ça n'a pas marché. J'ai vu. Non, oh, c'est miteux. Il cavale. Ok, les gars, c'est bon. J'ai eu trop peur. Ok. Oula. Ça commence déjà à tirer. Bon, les gars, là, je crois qu'on est plus que la dernière fois déjà. Donc, il y aura plus de personnes à trouver. Donc, ça, c'est carré. Let's go. On attend. Qu'il fasse des petits kills. Ok. Ah donc c'est Nono le chercheur. Ok. Il a tué Noah. Bien joué à lui. Allez, j'espère survivre les gars. On va tester de voir s'il y a des gens. Déjà je sais que Zayn il est dans l'arbre en face là. Je sais pas si vous voyez. Oh punaise, je l'entends. Zayn il est là-bas dans l'arbre. Après là il y a bah, du coup Nono il va sortir. Bonjour. Pff, j'ai eu peur. Ok. Pour l'instant il nous voit pas hein. Pour l'instant, il me voit pas. Il est dans la cachette là-bas. Let's go. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'on pouvait regarder le chercheur. Parce que si on est vraiment dans une cachette qui est galère, c'est chiant, tu vois. Là, ça bouge, là, dans le garage, ça bouge. Hein. Non, non les gars. Je le sème. Bon, GG. J'ai trop le sème, il m'a vu. Bon les gars, au moins on va pouvoir inspecter les petites cachettes des autres. Hein? Mais il était là où il était tout à l'heure? Bah GG, franchement. Ok, là je vois où ils sont cachés. Ok, dans un arbre, bon, logique. Bon, allez, let's go. Du coup, on va inspecter les cachettes des autres. Okay, donc, il y en a un dans le grenier, je crois. Deux dans les arbres. Ok, XDZ et. Inathan, je crois que c'est. Wesh. Wesh. Oh non, Zayn, il a été vu. Non. La dernière fois, il avait gagné le cache-cache en étant là, je crois. Oh, force à Zayn, non. Ah, c'est dommage. Dommage, GG. Oh Noahim! Oh Noahim, il est trop chou! Ok, eux, ok. Bon, eux, je sais pas si on va être trouvés. Ok, dans la petite cachette là. Il n'y a pas l'air d'avoir des gens. Voilà, c'est ça, il n'y a personne. En tout cas, Noahim n'a toujours pas été trouvé alors qu'il est vraiment passé à 2 mètres de lui. Oh, peut-être qu'il va trouver dans le garage là. Enfin, dans le grenier. Non, il n'y a pas été. Pourtant, il ne l'entendait pas. Il l'a vu, il l'a vu. Il ne sait pas par où monter. Ok, peut-être, non. De l'autre côté, il sait. Il sait que de l'autre côté, il y a un passage. Il le sait, je pense. Il le voit. Non, il n'y arrive pas. Faut ressortir, passer par l'autre côté. Passe par l'autre côté. Voilà, là. Tu l'as vu, parfait. Ok, donc là, lui, il va être trouvé. Lui, il va être trouvé, c'est sûr. Ok. Ah. Et. Dommage, mon gars. Bien joué, Amir. Dommage, Amir a été trouvé. Noahim a une bête de cachette, franchement. Ok, là dans l'arbre. Ouais, voilà, c'est bien de bouger parce que sinon. Ok. Ok, alors, il était dans l'arbre, Sonic dans l'arbre. Noahim voit le chercheur. Je suis sûr en plus là. Nono, tu m'entends, je suis sûr. Alors. Bon, il a commencé à bouger alors qu'il est revenu vers lui. C'était dangereux, mais bon. XDZ ne bouge vraiment pas, c'est aberrant. Alors. Il l'a vu. Non, si. Me dis pas qu'il l'a pas vu quand même. Ok, Swinig, sort de ta cachette parce qu'il peut pas te tirer dessus. GG. Alors, les autres cachettes. Noahim qui retourne dans le garage. Non, peut-être dans la grande maison. Ouais, peut-être dans la grande maison. Ensuite, on a XDZ Coco qui part. Il l'a pas vu? Ah, si, il l'a vu. Bah, XDZ Coco, force à lui. Dommage, c'était bien joué. Il esquive, bien joué.
Donc il reste que Noahim. Donc Noahim, c'est le vainqueur de cette deuxième manche. GG à lui. Donc il est caché dans une petite boîte. On va dire ça. Je crois dans la grande maison, je crois que c'est du coup. Nono qui cherche. Alors. Je crois qu'il se pose la question de où est-ce que ça peut être, mais je sais pas. Là, je pense qu'il va voir. Il va voir où est-ce que ça peut être. Non. C'est du only up. Non, pas là. What? Attends, mais il est où? Ah, si, c'est bon, je sais où il est. Non, en fait, c'était pas dans la grande maison. Allez, petite cachette. Non, on peut pas passer. Là, il sait qu'on peut. Il y a personne. Dommage, c'était pas là. Il repart dans la petite maison. Il va voir s'il y a des gens. Il reste qu'une personne. 5 minutes pour le trouver. Ok, il décide de remonter en haut. Au cas où. Et GG à toi, mon gars. GG Noahim. Grand vainqueur, GG. Bien joué, les gars. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à aller surtout dans la boutique d'objets. Soutenez un créateur. Créateur Kambekte, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le rentrent dans la boutique. Et on se retrouve samedi prochain. Tchuss.